Sears Fritz ne semble-t-il pas délicieux ? Eh bien, que diriez-vous si l'on vous disait qu'il pourrait bien vous exploser au visage ? Ce sont les fruits de l'arbre bombardier. Il s'agit d'un géant capable d'atteindre jusqu'à 60 mètres de haut et de rester vert toute l'année. Il pousse dans des régions tropicales comme la forêt amazonienne et certaines parties de l'Afrique. Presque tout dans cet arbre gargantuesque est toxique. Son écorce, ses feuilles et même ses graines. Même l'apparence de l'arbre nous semble hostile, avec les pics coniques qui le recouvrent. Sears Fruit, semblables à de petites citrouilles, sont non seulement toxiques, mais ils présentent une particularité. Lorsqu'ils sont mûrs, ils éclatent et projettent leurs graines à une vitesse stupéfiante. Il n'y a pas que des aspects négatifs, cependant. Le bois de l'arbre bombardier est léger. Il est donc très pratique pour fabriquer des canoës. Autrefois, les peuples indigènes fabriquaient du poison pour leurs flèches à partir de sa sève. Le bois est également utilisé pour fabriquer des meubles, et les graines de l'arbre peuvent être utilisées pour fabriquer du biodiesel ou du savon. Nous connaissons tous le hou comme étant ces petites baies utilisées dans les décorations de Noël. Mais l'arbre en question a une très longue histoire. Il était présent avant même la disparition des dinosaures. Au fil de millions d'années, différents types de houx se sont adaptés à des environnements variés, comme les montagnes et les forêts, et certains ont disparu. Aujourd'hui, ils peuvent encore être trouvés dans de nombreuses régions du monde. Les houx présentent de jolies baies rouges vifs, mais ne les mangez surtout pas. Seuls les oiseaux peuvent le faire. Ces baies sont toxiques pour les humains et peuvent même s'avérer mortelles. Ces choses, bien qu'on les assimile à des baies, sont en fait un type de fruit appelé drupe. Elles se déclinent en différentes couleurs comme le rouge, le brun, le noir, ou parfois en vert et en jaune. Certains arbres sont si dangereux qu'on doit y clouer un panneau d'avertissement, comme le mancenillier. Sears Fruit ressemble à de simples pommes vertes ou jaunes. Mais en manger une pourrait être la dernière chose que vous ferez en ce bas monde. Chaque partie de cet arbre, de l'écorce aux feuilles en passant par le fruit, contient des toxines. En manger provoque une gêne dans la gorge et des problèmes d'estomac. Même le toucher pourrait être risqué. Et ne songez même pas à vous en débarrasser. Toute personne qui tente de le couper est immédiatement punie, car il produit une sève acide qui peut nous rendre temporairement aveugles. Et si cette sève touche votre peau, vous souffrirez de brûlures et de cloques. Le fruit du jatropha ressemble à une sorte de délicieux abricot, mais il a également de puissantes propriétés vomitives. Si vous osez en manger, vous aurez l'impression que votre gorge est en feu, puis s'ensuivra un terrible mal de ventre. Il est même capable de perturber votre respiration et votre rythme cardiaque, ce qui vous rendra somnolent et pourrait même vous faire perdre connaissance. L'arbre est originaire des régions chaudes du continent américain, comme le Mexique et l'Amérique centrale. Mais on le trouve aujourd'hui dans de nombreuses régions tropicales et subtropicales du monde entier. Dans certaines contrées, les gens consomment des variétés comestibles de la plante de jatropha. Au Mexique, on en torréfie et broie les graines pour préparer des soupes ou des plats, comme le tamal. Ces graines peuvent être utiles en réalité. Elles regorgent d'huile et d'autres substances, comme des protéines et du sucre. Elles peuvent être utilisées pour fabriquer un type de carburant spécial appelé biodiesel. Mais de grâce, n'utilisez pas l'huile de cette plante pour cuisiner. Regarde plutôt ces feuilles. Elles sont en forme de petits cœurs. Ne sont-elles pas mignonnes ? Quant à ces excroissances brunâtres qui ressemblent un peu à des poires, ce sont les fruits de cet arbre d'Asie du Sud-Est, appelé Pangium edule. Lorsqu'on les ouvre, on révèle cette pulpe douce et crémeuse. Et même si elle semble délicieuse, elle ne l'est absolument pas. Cependant, il y a une partie comestible dans ce fruit, ses graines. Elles sont généralement utilisées comme assaisonnement ou comme épices dans les plats, et non consommées telles quelles. La cuisson est un peu délicate cependant. D'abord, il faut les sortir du fruit. Ensuite, on les fait bouillir. Après ça, on les enfouit dans la cendre, les feuilles de bananier et la terre pendant 40 jours. Ne soyez pas surpris. Le trempage et l'enveloppement peuvent aider à éliminer certaines de SABS, substances chimiques les plus toxiques, comme le cyanure d'hydrogène. Mais après cette étape, elles deviennent plutôt saines, voire bénéfiques pour la santé, car riches en vitamine C et en fer. Une fois préparées, ces graines sont utilisées dans divers plats. En Indonésie, par exemple, elles sont broyées pour produire une épaisse sauce noire appelée rawon. En Malaisie et à Singapour, un plat répandu est du poulet cuit avec 16 graines. Même les tribus de Bornéo les utilisent pour préparer un plat de poisson fermenté au goût aigre.
Regardez cette coquille ronde, brillante et brune avec une graine à l'intérieur. Elle est entourée d'une enveloppe charnue, un peu comme les noix. Eh bien, ces dernières contiennent une chose appelée acide tannique, qui est aussi toxique pour des animaux tels que les vaches que pour les humains. Même les feuilles, les pousses et l'écorce de cet arbre peuvent être un peu toxiques. Cet arbre porte le nom de marronnier glabre, ou pavier de l'Ohio. Fait amusant, les Amérindiens avaient une façon de consommer ces fruits. Ils faisaient rebouillir les noix pour en éliminer le poison. Ils les utilisaient également de diverses manières, comme pour confectionner des colliers ou pour en extraire de l'acide tannique pour le cuir. L'arbre lui-même n'est pas le plus indiqué pour fabriquer des choses car son bois est léger et fragile. Et à cause de ses gros fruits, ce n'est pas le genre de marronnier que l'on plante le long de la rue. Mais les gens semblent vraiment l'apprécier en Ohio. Ils fabriquent même un bonbon qui ressemble à ces noix, en trempant du fondant au beurre de cacahuète dans du chocolat. C'est une friandise appréciée, surtout pendant la période des fêtes et la saison du football universitaire. Méfiez-vous des baies de phytolacca. Ce sont ces baies juteuses et tentantes que l'on peut repérer de la fin de l'été au début de l'automne. Bien que les oiseaux et d'autres animaux puissent en manger sans aucun problème, elles sont toxiques pour l'homme. Elles apparaissent en grappes similaires à celles du raisin, de couleur violette tirant vers le noir, et la plante elle-même présente des tiges allant du pourpre au rose et pouvant mesurer jusqu'à 2,50 m de hauteur. Mais en manger, ne serait-ce qu'une poignée, peut être extrêmement nocif, voire carrément mortel. Une autre chose qui ressemble au raisin est le ménisperme du Canada, ou raisin de couleuvre. Il présente des feuilles et des grappes de fruits qui ressemblent un peu au raisin, mais qui peuvent être extrêmement dangereuses. Pour éviter de vous tromper, examinez de plus près les graines à l'intérieur du fruit. Alors que les raisins ont généralement 2 à 4 graines rondes ou ovales, les fruits du ménisperme n'ont qu'une seule graine chacun, et celle-ci ressemble étrangement au mélange d'un croissant de lune et de Pac-Man. En juin, on peut également trouver une pareille liane dans la forêt. Il s'agit du célastre asiatique, ou bourreau des arbres. Cette liane est assez robuste et peut développer de longues tiges ligneuses qui s'enroulent autour d'autres plantes, parfois même jusqu'à les étrangler. Mais ces fruits oranges, de la taille de petits pois, sont la partie la plus importante. Encore une fois, ceux-ci sont toxiques pour les humains, mais appréciés des oiseaux. La plante doit son surnom à sa nature envahissante et à la forte compétition qu'elle livre aux autres plantes. Bien qu'originaire d'Asie, on trouve des variétés de cette plante d'Amérique jusqu'en Europe. Mais elle est assez jolie et peut donc être prisée pour son aspect décoratif. Parlons maintenant de la belladone, ou cerise du diable, et dont le nom est assez révélateur. Les fruits sombres de cette plante sont extrêmement dangereux, même en petite quantité. Pire encore, elle peut facilement être confondue avec le chèvrefeuille involucré ou avec d'autres fruits. Elle se distingue par ses feuilles ovales, au profil effilé. Elle fleurit généralement de juin à septembre. Curieusement, cette plante appartient à la même famille que les tomates, les poivrons, les aubergines et les pommes de terre. Cette famille comprend également des plantes dangereuses comme le tabac, la belladone et la mandragore. Notre dernière plante de cauchemar est l'actée blanche, également surnommée Doll's Eyes outre-Atlantique. La consommation de SS Bay peut stopper votre cœur et même conduire au pire des scénarios. Celle-ci présente d'ailleurs un aspect effrayant, comme un tas de petits yeux reliés par des branches cramoisies. C'est assez flippant, n'est-ce pas? On peut trouver ces plantes effrayantes le long de la côte est des États-Unis et du Canada. Elles fleurissent pendant l'été. Certaines personnes cultivent ces plantes dans leur jardin pour leur apparence unique, mais elles ont besoin de conditions spécifiques. De façon générale, méfiez-vous toujours des plantes, baies et fruits inconnus. Et n'oubliez pas de vous renseigner en ligne.